colonisateurs. Voici maintenant 11 règles qui composent le pacte de colonisation avec la France. 1. Les pays membres du franc CFA doivent payer pour l'infrastructure construite par la France de leur pays pendant la colonisation. 2. Confiscation automatique des réserves nationales. 3. Droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. 5. Droit exécutif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires de ces pays. 6. Droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. 7. Obligation de faire du français la langue officielle du pays. 8. Obligation d'utiliser le franc CFA. 9. Obligation d'envoyer le rapport annuel à la France du solde et de réserve. 10. Renonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays sauf par autorisation de la France. 11. Obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour un max de partage. Parce qu'encore en 2018, il y a de l'esclavage, mais cette fois-ci de façon monétaire. Allez, salut, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Colonisateurs. Voici maintenant 11 règles qui composent le pacte de colonisation avec la France. 1. Les pays membres du franc CFA doivent payer pour l'infrastructure construite par la France de leur pays pendant la colonisation. 2. Confiscation automatique des réserves nationales. 3. Droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. 5. Droit exécutif de fournir des équipements militaires et de former les